Farid Alilad, bonjour. Bonjour. Vous avez dirigé plusieurs quotidiens en Algérie. Vous êtes aujourd'hui journaliste à Jeune Afrique, auteur de plusieurs enquêtes. Alors, depuis le 22 février, la mobilisation contre un cinquième mandat du président Bouteflika ne faiblit pas. Pourquoi en est-on arrivé là? La première remarque qu'il faudrait faire, c'est que cette mobilisation est née de la candidature du chef de l'État à un cinquième mandat. Au pouvoir depuis Au 99. pouvoir depuis 1999, dès que le chef de l'État a annoncé qu'il était candidat à sa propre succession, c'est-à-dire pour un cinquième mandat, il y avait un début de mobilisation populaire qui réclame, qui demande au chef de l'État de renoncer à sa candidature. Ensuite, petit à petit, cette contestation populaire a pris de l'ampleur avec des marches qui se sont déroulées dans plusieurs villes du pays. Ensuite, à Alger, il y a une grande manifestation le 22 février à Alger. Ensuite, il y a une autre grande mobilisation à Alger le 1er mars. Ensuite, des étudiants ont rejoint la marche, Les les syndicats, syndicats, les les avocats. avocats. Donc, au jour d'aujourd'hui, vous avez une très forte mobilisation à l'intérieur du pays et même aussi à l'étranger qui demande au chef de l'État de renoncer au cinquième mandat. Mais plus globalement, la contestation populaire ne vise pas simplement le cinquième mandat. Aujourd'hui, les gens, les Algériens, quand ils sortent dans la rue, ils veulent Un un changement changement du du système. système. D'accord. Farid Alilat, le pouvoir a déjà reculé. Il annonce la tenue d'une conférence nationale. Bouteflika promet de laisser le pouvoir après une année. Comment voyez-vous la suite du scénario algérien? D'abord, ce qui donne à voir, le pouvoir donne l'impression d'être un peu dos au mur, Acculé acculé, dans la par la mesure rue. où, au départ, il faut remettre les choses dans leur contexte. Le Premier ministre a dit que la candidature du chef de l'État est faite à la demande des Algériens. Le chef de l'État lui-même, quand il avait fait sa lettre de candidature, il a dit: j'ai entendu l'appel des Algériens pour que je me puisse, puisse me, 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 me représenter. Plus la mobilisation devient forte, plus le pouvoir donne l'impression de faire des concessions. La première concession, c'était de limoger Abdelmalek Sellel, directeur De de la campagne. campagne. La deuxième concession, c'était la lettre que le président avait A rendu rendue public. publique juste après le dépôt de sa candidature par procuration, dans laquelle il s'engage à faire un ensemble de réformes, notamment, et c'est la première fois que le chef de l'État le dit, notamment l'organisation d'élections présidentielles Participer anticipées, à laquelle auxquelles il il ne ne se participe pas, représente pas. ne se Plus représente pas. réforme de la Constitution. Voilà, une réforme de la Constitution, réforme de la Constitution par référendum populaire. Donc il y a un ensemble de concessions qui ont été faites, qui ne sont pas nouvelles, mais les deux nouveautés, c'est l'élection présidentielle anticipée et le référendum populaire. Et pourtant, la contestation ne faiblit pas, ce qui a amené le chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général Ahmed Gaed Salah, hier à sortir devant les officiers et à demander à ce que il n'y ait pas de, enfin, à se présenter comme un garant contre le retour à une certaine forme de violence. D'abord, le vice-ministre de la Défense et chef d'état-major de l'armée est dans son rôle, c'est-à-dire, je m'explique, il est dans son rôle parce que l'armée est garante de la sécurité, de la stabilité du pays. Donc, ce discours, à savoir qu'il est impératif que les manifestations se déroulent dans le calme, etc. Il est dans son rôle. Le deuxième rôle du chef d'état-major de l'armée, c'est que il reste ce qu'il donne à voir, ce qu'il donne à voir, c'est qu'il reste un soldat, si je
puis me permettre, le soldat fidèle et loyal au chef de l'État. Mais le paradoxe, c'est que ce discours où, à travers lequel on essaye de faire peur aux Algériens, à savoir que la rue risque, le scénario risque, l'Algérie risque de connaître le même scénario que la Syrie, que la Libye. Retour à la décennie noire. Retour à la décennie noire. On se rend compte que la rue démontre que ce discours est obsolète, dans la mesure où, jusqu'à présent, les manifestations se déroulent d'une façon très, très pacifiste, même joyeuse. Joyeuse, oui, il y a énormément d'humour. On peut citer une scène que hier vous avez racontée dans Jeune Afrique, c'est à Genève, le standard est, téléphonique est pris d'assaut. Mais c'est quelque chose, les Algériens, et surtout l'opinion internationale, découvrent que, en fait, les Algériens peuvent manifester d'une façon très pacifique. C'est très, très important. C'est très, très important que de signaler que les manifestations se déroulent d'une façon très pacifique, d'une façon très joyeuse. C'est une fête. Franchement, ce qu'on voit dans les manifestations, c'est comme si les Algériens ne sortent pas dans la rue pour manifester, mais c'est pour se libérer. C'est comme une forme d'exutoire. C'est une forme d'exutoire, c'est une forme d'espèce de libération. Il n'est pas rare d'entendre les Algériens. C'est la deuxième guerre de libération algérienne. C'est pas la deuxième guerre de libération algérienne, mais il y a beaucoup de gens qui ont connu justement la fête de l'indépendance en juillet 62. Il y a des gens qui comparent les manifestations d'aujourd'hui. Qui retrouvent cet esprit-là? Oui, cet esprit c'est en quelque sorte c'est la parole qui se libère, c'est la présence physique qui se libère, c'est-à-dire que faut pas oublier que jusqu'à un passé très récent et jusqu'au jour d'aujourd'hui, les manifestations sont interdites à Alger et on se rend compte que on peut manifester à Alger, on peut manifester dans d'autres villes du pays et que tout ça se déroule dans le calme. Et je vais juste citer une anecdote qui illustre ce climat de sérénité. Hier, il y avait une grande manifestation d'étudiants à Alger. À un certain moment, la police a arrosé les étudiants avec des jets d'eau. Et la réaction des étudiants, c'est qu'ils dansent, ils chantent, ils disaient « Maintenant, vous nous rajoutez du shampoing ». Voilà. Ça donne une idée du climat. Ce n'est pas un climat insurrectionnel. Non, et puis on les voit pactiser beaucoup, oui. Discuter avec la police, avec la gendarmerie, lors des manifestations. Et là aussi, c'est quelque chose. Il y a une chose, très grande maturité, oui, aussi. Parce qu'on a toujours joué, le pouvoir a toujours joué sur l'épouvantail de la peur, sur le chantage, de l'insécurité, sur les traumas de la décennie noire, pour retarder ou éviter le changement. Or, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les Algériens demandent est-ce qu'il y ait un changement, est-ce qu'il y ait une alternance, mais que cette alternance se fasse dans un climat de sérénité et d'apaisement. Si le bras de fer s'intensifie, persiste, est-ce que l'on ne va pas aller à un moment ou à un autre, toutefois, à l'épreuve de force? Est-ce que c'est un risque? Il est extrêmement difficile aujourd'hui de prédire ce qui va se passer demain. Demain. Alors, on ne peut pas dire ce qui va se passer dans une semaine ou dans 15 jours ou dans un mois, tellement la situation est évolutive, tellement la situation est tendue, tellement la situation politique est aussi opaque. Donc, on ne peut pas dire ce qui va se passer demain. Ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que la mobilisation prend de plus en plus d'ampleur. Et qu'il y a, on voit apparaître des fissures, des dissensions, y compris à l'intérieur de ce qu'on peut appeler le cercle présidentiel ou le clan présidentiel. Qui est plus divisé qu'on ne le... Ce que on constate aujourd'hui, c'est que ceux qui, hier, prenaient le... appelaient ou prenaient le cinquième mandat, sont en retrait. On n'entend plus les soutiens du chef de l'État. On n'entend plus. Ce qu'on entend aujourd'hui, c'est la rue. Quand je dis la rue, c'est avec dans toutes ses diversités. On entend aujourd'hui, c'est que
On ne veut pas du président, du cinquième mandat du président, on veut un changement. Qu'est-ce qui peut se passer demain? Encore une fois, je ne peux pas, en toute franchise, je ne peux pas faire de projection. Mais ce qu'on peut esquisser, si on peut, comme ça, quelques scénarios, c'est qu'il y a la possibilité que le chef de l'État maintienne sa candidature et que le Conseil constitutionnel, qui doit rendre sa décision dans quelques jours, valide sa candidature. Et à ce moment-là, on ne peut pas savoir quelle va être la réaction de la rue. Jusqu'à présent, elle est pacifique. Jusqu'à présent, les Algériens demandent pacifiquement le retrait de la candidature du chef de l'État et le changement du système de façon pacifique. Si demain, sa candidature est maintenue, on ne peut pas savoir. Peut-être, et personne ne l'espère, peut-être que la mobilisation qui est pacifique peut passer à un autre stade. Parce qu'il ne faut pas oublier, encore une fois, que la contestation populaire est née de la candidature du chef de l'État, qui est perçue comme une espèce d'humiliation, même du mépris, même du non-sens. On parle de momification du pouvoir depuis plusieurs années. Voilà. Est-ce qu'il reste des fusibles à l'entourage présidentiel? Vous avez parlé du directeur de campagne, Abdelmalek Sellal, qui avait été limogé. Est-ce qu'il reste des fusibles et est-ce que ça peut être suffisant pour contenter la rue? C'est une possibilité. Il y a possibilité que demain, ou après-demain, ou dans quelques jours, le pouvoir serait tenté de pas d'affaiblir, mais de faire baisser la tension en sacrifiant peut-être des fusibles, peut-être le Premier ministre, qui est impopulaire et qui est aussi la cible des manifestants qui le blocardent, qui ne veulent plus de lui. Mais combien de fusibles on va faire sauter pour essayer de contenir la contestation? On peut pas le savoir. Franchement, encore une fois, la situation est très mouvante, elle est très complexe, donc on ne peut pas faire des projections. Quelles sont les grandes forces politiques mobilisatrices? On a vu que l'opposition était quand même assez décrédibilisée aussi dans le pays. Si demain on aboutit à une évolution, un changement, quels seront selon vous les acteurs de cette transition ou de ce nouveau paysage? C'est une situation inédite dans l'histoire du pays, du moins depuis l'ouverture démocratique de 1989. C'est-à-dire que c'est la première fois que des Algériens de tout âge, de toute profession, sortent dans la rue pour demander encore une fois pacifiquement le changement. Donc, on ne peut pas savoir qui, on ne peut pas prédire, on ne peut pas aujourd'hui faire des projections qui seront demain les acteurs. On ne peut pas le savoir. Il n'y a pas d'homme providentiel. Il n'y a pas d'homme providentiel. Et surtout, c'est un mouvement qui n'a pas de leader. Il n'y a pas de leader. Peut-être que des leaders vont émerger demain. On ne le sait pas. Mais pour le moment... Donc, ce qui fait comme pour les gilets jaunes chez nous, il y a une difficulté de discuter avec ces gens-là. Oui, parce qu'il n'y a pas de leader. Mais pourquoi il n'y a pas de leader? Parce que, si vous voulez... le mode de gouvernance du chef de Bouteflika depuis 20 ans a fait en sorte à ce qu'il n'y ait pas d'émergence de leaders capables aujourd'hui d'être des interlocuteurs entre la rue et le pouvoir. Et qu'il n'y a plus de tampons non plus. Oui, et à preuve, c'est que quand les Algériens, je ne parle pas d'aujourd'hui, mais dans la vie courante, c'est quand les Algériens viennent à contester, par exemple, à revendiquer plus de routes, plus d'écoles, ou le gaz, ou l'électricité, ou autre chose, ils n'ont pas d'interlocuteur, du coup, ils investissent la rue. Pourquoi? Parce que depuis 20 ans, on n'a pas fait en sorte à ce qu'on fasse émerger de nouvelles têtes. Et surtout, ce que donne à voir ce mouvement, c'est que ce n'est pas simplement le pouvoir qui est discrédité, mais c'est aussi
l'opposition qui est discréditée. Ce n'est pas de la faute aussi de l'opposition. Parce que aussi, il faut savoir aussi que l'opposition, elle n'a pas. Le pouvoir aussi a tout fait pour contenir l'opposition. Parce que. Marginaliser. Voilà, pour marginaliser l'opposition. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec deux, si vous voulez, deux forces. D'un côté, le pouvoir, et de l'autre, la rue. Il n'y a pas d'interlocuteur qui puisse dénouer la crise. Ce qu'on peut constater ces jours-ci, c'est que l'opposition a pris acte de la mouvement de contestation, elle a décidé de l'accompagner. Et la preuve, c'est que... Et elle demande un report des élections. Non seulement ils demandent le report des élections, mais certains demandent aussi l'application de l'article 102 de la Constitution. De vacances du pouvoir pour voilà. Raison de santé. Ce qu'on peut constater, c'est que l'opposition fait preuve, ce n'est pas, peut-être c'est un calcul, je ne sais pas, mais fait preuve un peu d'humilité. C'est-à-dire qu'elle décide de s'effacer pour laisser la rue s'exprimer tout en essayant d'accompagner ce mouvement pacifique. La preuve, c'est que pendant la marche du 1er mars à Alger, on avait eu beaucoup de leaders de l'opposition qui ont décidé de participer à ces manifestations à titre individuel. Parce que on ne veut pas les taxer de récupération et la rue ne veut pas que ce mouvement soit récupéré par les partis politiques de l'opposition, soit par quelconque autorité ou mouvement. Il veut garder sa fraîcheur. Farid Alilat, merci. Merci à vous.